Jacques Brel a dit « Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage. » Je me souviens de ces mots. Tu es trop rêveuse, trop sensible, trop fragile, trop intense. Tu exagères, tu en fais trop, tu penses trop. Pourquoi ça te touche tant? Prends du recul. Des fois, j'ai vraiment l'impression que tu viens d'une autre planète. L'hypersensibilité fait partie de l'une de mes facettes. Elle ne me définit pas, mais elle est là, présente en moi. Je la ressens, je l'effleure, elle me surprend. Je l'ai longtemps considérée comme une faiblesse, comme un fardeau. Toutes ces fois où je me suis sentie seule, différente et incomprise. Alors je préférais me taire, garder le contrôle sur tout ce que je ressentais, faire semblant, un instant. J'accumulais, je mettais des masques, j'essayais de changer, d'être quelqu'un d'autre, d'être moins sensible, moins de trop. Je luttais contre cette part de moi qui avait pourtant tant à offrir. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire, à toi, à moi. J'aimerais te dire que tu n'es pas trop, que tu n'es pas faible ou étrange. J'aimerais te dire que ça fait partie de toi et qu'il est temps de l'accueillir, de l'embrasser, de l'accepter. Va, transforme ce fardeau en cadeau. Libère tout ce que tu as accumulé pour te déployer enfin. Tu as tant à apporter à ce monde. Tu n'as plus besoin de te cacher, de t'adapter ou de faire semblant. J'aimerais te dire qu'être sensible, c'est plonger au cœur de la vie, des gens, des émotions. C'est vivre avec profondeur et intensité. C'est aller dans le beau, dans le vrai. C'est capturer chaque sensation, chaque odeur, chaque son, chaque texture. C'est se connecter à l'autre pour rencontrer son âme, son essence. C'est rêver et imaginer avec une créativité sans fin. C'est plonger intensément au creux des émotions, celles qui nous enivrent et celles qui nous retournent. C'est percevoir le monde avec une merveille et c'est voir les failles, le moins beau et le mettre en lumière. Viens, prends-toi tel que tu es avec cette folle sensibilité et cette façon unique d'embellir le monde. Respire-la, vis-la, autorise-la à être. Laisse-la te transpercer le cœur, te couper le souffle, te renverser, faire virevolter ton âme. Assume enfin cette intensité, cette complexité, là où tout est décuplé, là où tout est possible, et pars danser avec toutes les couleurs que tu rencontres en toi et autour de toi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce que je viens de vous partager dans la vidéo en mouvement, mais je voulais quand même rajouter et insister sur le fait que c'est ok d'être hypersensible, que c'est juste un mode de fonctionnement. C'est pas nécessaire d'aller encore une fois se coller des étiquettes ou d'utiliser ça pour venir se justifier ou pour venir confirmer ou valider un comportement que l'on a ou un mode de fonctionnement que l'on a. J'ai vraiment envie de vous inviter à vous accepter enfin, d'arrêter de lutter contre ce mode de fonctionnement qui est juste, voilà, il y a plein d'êtres humains sur cette terre, il y a plein de modes de fonctionnement différents et le fait d'être hypersensible est juste un simple mode de fonctionnement qui peut être différent d'autres personnes et il n'y a pas de honte à avoir et c'est vrai que tout n'est peut-être pas adapté pour nous non plus, mais en tout cas c'est vraiment de venir venir embrasser cette hypersensibilité, la manière dont vous fonctionnez. Peut-être que voilà, on vous dit que vous pensez trop, que vous exagérez, que vous ressentez trop les choses, que vous vous éparpillez dans tous les sens, parce que moi je dis toujours on a l'impression d'avoir une espèce de carte conceptuelle au-dessus de soi. Et c'est ok, et tout ce que vous ressentez quand vous arrivez à lire presque à travers les gens, à lire en eux, à ressentir ce qu'ils ressentent, à être connecté avec tout le monde comme ça, c'est ok en fait. Vous n'êtes pas un extraterrestre ou quelqu'un de bizarre, c'est juste que vous fonctionnez de cette manière-là. Et j'ai vraiment, plus que jamais, envie de vraiment vous inviter à accepter tout ça et à vous montrer, à
osez être pleinement vous-même en fait, et d'arrêter de penser que vous êtes bizarre ou d'essayer de rentrer dans un certain mode de fonctionnement aussi, peut-être que la société nous demande, mais de vous assumer, d'être juste comme vous êtes et de continuer à ressentir tout ça, à vivre la vie de manière beaucoup plus intense aussi, et de libérer tout ce que vous avez pu accumuler aussi. Moi, ça a été mon cas, j'ai tellement accumulé, je me suis tellement privée d'être moi-même, de ressentir tout ça. Je pensais que j'étais anormale, et le fait de vraiment venir s'autoriser ça, en fait, de venir libérer tout ça, eh bien, c'est hyper libérateur et ça vous permet vraiment de enfin d'être pleinement vous-même et de vivre cette vie à votre manière aussi, au lieu d'être dans la résistance, dans la lutte et d'accumuler toute cette énergie aussi qui est bloquée du coup en vous. Et je le vois aussi à travers tous les accompagnements. J'ai beaucoup de personnes qui ont ce mode de fonctionnement de l'hypersensibilité et ça peut engendrer plein de problèmes de santé aussi si vous ne vous autorisez pas finalement à être pleinement vous-même. Donc du fond du cœur, plus que jamais, le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est acceptez-vous et allez danser avec toutes les couleurs. C'est pour ça que je suis barbouillée de plein de couleurs aujourd'hui pour vous transmettre ce message. Et c'est sûr que, ben oui, c'est des hauts, c'est des bas. On vit tout intensément, même quand ça va pas bien, même quand on est dans les émotions désagréables. Et c'est OK et c'est bon parce qu'on est vivant. Donc voilà mon message de cœur que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à partager aussi comment vous vivez ça, votre ressenti par rapport à simplement ce mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement parmi tant d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à répandre ce message, à partager la vidéo autour de vous et qu'on puisse vraiment danser, comme je le disais, avec toutes ces couleurs. Je vous embrasse très fort. À très vite.